Maximum, on se retrouve à nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On n'est pas Fantasia, là. Non, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? On va rencontrer New Game Man. C'est fou, hein? C'est cool, en Chris. Ouais. Merci pour ça. T'as pas trop. On y va là. On y va là. Je suis vraiment geek en ce moment. Oh, oui, moi aussi. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are. Okay, ça c'est le blog, il faut mettre du stock, hein? Ouais. Ok, là on est sorti de la conférence avec Neil Gaiman. Ouais. T'as eu la chance de lui poser une question. Ouais. Et je sais pas, confirme-moi ça, mais j'ai eu l'impression que même si toi qui es programmateur à Fantasia, que tu rencontres plein de monde de partout. T'as eu un petit stroke, hein? Il y a eu comme une petite éclair, une petite nervosité. Ouais. C'est que tu lui as demandé quoi au juste? Ben, ce que je lui ai demandé, c'est une question que je me pose depuis longtemps. C'est qu'il me semble que chaque fois qu'il y a une bande dessinée qui sort ou qui trouve une certaine popularité dans la culture populaire. Oui. On peut penser à Kick-Ass ou qui est nouveau, ou à Sandman qui, depuis un certain temps, tout le monde est en train de relire ça. Est-ce que, selon M. Gaiman, le but ultime d'une bande dessinée, c'est l'adaptation cinématographique? C'est en soi, c'est qu'on fasse une bande dessinée pour l'adapter ultimement au cinéma. OK. Et donc, j'ai demandé, croyez-vous pas que peut-être un livre devrait rester un livre et que peut-être qu'il devrait pas avoir de film de Sandman? Et quand j'ai dit ça, moi j'avais peur qu'il y ait un fan qui m'a... Quoi? T'es-tu malade? On veut le Sandman movie! Ouais. Et c'est une question qui m'est trottée dans la tête pendant longtemps, puis ben, c'est juste le... Le certain, le petit moment, tu vois qu'il t'écoute. Oui, hein, il y a un regard assez puissant. Hein? Ouais, et là, la réponse qui prend du. Qui est là-bas pendant très, 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 très longtemps. Oui, il est généreux là, dans ses très réponses. Généreux. Ouais. Et sa réponse était? Non, selon lui, non. Un livre devrait rester un livre. Il n'est pas contre les adaptations, visiblement. Je veux dire, non. Il était souvent adapté. C'est vrai. Ben, surtout Caroline récemment qui a eu droit à un film d'animation et une adaptation théâtrale. Ben, avant tout, c'est un livre. Mm-hmm. Mais selon lui, c'est pas le. Ce n'est qu'une adaptation. La version finale, c'est le livre. Le reste, c'est tout simplement. Ça, il écrit pas un livre pour faire un film à la fin, c'est ça? Ben, c'est ça, exactement. Ça, j'ai aimé ça d'apprendre ça. Ouais. C'est... Puis sinon, feeling général avant qu'on se quitte. Super. C'est quelque chose, hein? Il y avait une tension dans la conférence. Bon, ben, on va être les deux seuls francophones présents là. Ouais. Bon, ben. And now, we're going to the convention. We're going to kick some nerds.